Il s'appelle Amoy Norzen Girl. Je vais mettre la musique. J'ai trouvé sympa, donc je l'ai faite ce matin. J'ai découvert la playlist hier vers 11h du soir, donc je ne suis pas collée. Derrière qu'avant, en quart de tour. Donc, on
croise pied gauche derrière, on fait un quart de tour sur la droite et on avance l'autre pied. Ça, c'est bon. Après, on fait un rock avant. Je vais m'afficher, c'est pas ça. Si c'est ça, et un back, lock back. Voilà. Donc, on sortira. Je vous refais la première section, comme ça, vous allez la mettre en tête. Donc, le kick. Donc, kick, pull, pointe. C'est leur car cross. Bum, bum, bum. Behind, side, cross. On va appuyer pied droit. On va faire un side rock à gauche. Side rock. Derrière, car avant. Rock, revient. Back, lock, back. Je fais les comptes. Donc, on fait behind, side, cross. Donc, side rock. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Notre deuxième section, c'est ça. On met les deux bout à bout. Il y en a 6 sections, c'est une 48. Hein. On y va. 3, 4, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Ça arrive. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on appuie pied droit. On va faire un demi-tour en pivot, c'est-à-dire que ce pied gauche, on le met derrière l'autre, on va se réceptionner dessus. Donc là, on est sur le pied droit, on va pivoter sur le pied gauche, sur la gauche, en demi-tour, on se retrouve à midi. Donc, on met le pivot, on met la pointe du pied gauche, et quand on fait le deuxième temps, on est dessus. Ensuite, on va faire un kick cross, kick ball cross. Ce pied droit, on fait tout de suite un quart de tour avec et hook. Et pas chasser. Et pas chasser pour finir. Il faut bien faire le quart avant de faire le hook. Donc, on y va. On est là. Je vais peut-être le faire dans les deux sens. On est là. Demi-tour. Donc, pointe derrière. Demi-tour. On est bien dessus. Tout de suite un kick ball cross avec le pied droit. Kick ball cross. On met son pied droit en quart de tour à gauche, on hook du pied gauche et on chasse. Donc, je ne sais pas si c'est bien ça, hein, parce que des fois que je me suis trompée depuis ce matin. 3, 4, c'est bon. Donc, on y va. Ça fera 1, 2, non, le poids j'ai dit dessus. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. J'exagère un peu les mouvements pour bien accentuer. Donc, je vais vous refaire le de là, si je vous fais le pivot, je vais vous mettre de sens à le pivot. Donc, on sort de notre deuxième section, on va faire pointe gauche derrière, demi-tour à gauche, on se réceptionne bien sûr pied gauche, on fait un kick du pied droit, qu'on crosse pied gauche devant, tout de suite un quart de tour et un hook et un chassé. On y retourne avec, c'est la moitié de la danse, hein. Les trois sections début. On y va, kick, ball, pointe, kick, ball, pointe. C'est leur car cross, c'est leur car cross. Bump, 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 behind side cross, behind side cross. Deuxième section, side rock. Derrière car avant, rock avant et lock arrière. Troisième section, pointe. Demi-tour, kick, ball, cross. Quart de tour, hook, chassé devant. C'est bon? Alors, on y retourne. 3, 4, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. La suivante, elle va être facile. On est là, on va faire un grand pas en avant, diagonale droite. 1, on touch. 2, et comme on touch, on n'a pas le poids du corps, on va faire talon gauche, ramène, talon droit, ramène. Regarde si c'est ça. C'est bon. Après, donc, je vous fais déjà ce truc-là. Donc, on va le chasser, on avance. 1, 2, étalon, étalon et on ramène. Un grand pas slide sur le en arrière, la même chose, on a fait en avant, en arrière, en un du pied gauche en arrière, et on fait touch, stomp up, stomp. On
est bien sur la fin, on est bien sur le pied droit. Donc, je recommence. Un grand pas, touch, talon et talon. Et un grand pas, touch, stomp, stomp. Avec les comptes. 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. Là, il n'y a rien de trop difficile. Donc, ça, c'est la quatrième. On a encore deux sections. Donc, on y va. Le début. 3, 4. 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6, 7 et 8. Deuxième. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Troisième. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Quatrième. 1, 2, 3 et 4. Et 5, 6, 7, 8. On est là. On va faire un 3 quarts tour. C'est-à-dire qu'on est là. Un demi, je serai là. 3 quarts, je retourne à midi. 3 quarts de tour, le même pivot que tout à l'heure. Au lieu de faire qu'un demi, on fait 3 quarts. Donc, ce pied gauche, on refait pareil que tout à l'heure, mais on fait un quart de tour en plus. 1, 2. Même punition, on fait un kickball cross. Kickball cross. Mais on ne fait pas pareil après. On fait un side rock et un cross shuffle. On reste sur le mur. Donc, on finira nos stomps. Là, on met tout de suite la pointe derrière. On fait 3 quarts. On se réceptionne sur ce pied, sur le même pied. Un kickball cross, un side rock et un cross shuffle. Ce qui nous fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on a notre avant-dernière section. Il n'en restera plus qu'une. Parce qu'on est toujours à midi. Donc, on y va. Je refais toutes ces sections. Première. 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6. 7 et 8. Deuxième. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Troisième. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Quatrième. 1, 2, 3 et 4. Et 5, 6, 7, 8. Cinquième. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Pour finir, on fait un side quart. Six quarts. Donc, pied gauche à gauche, quart de tour. Chassez devant, pas chassez du pied gauche forcément. Et un triple full où vous faites chasser normal, deux chassés à la suite. Ou alors un triple full, c'est la même chose, mais vous le faites en tour complet. C'est-à-dire droite, gauche, droite. Et pour finir, on fera une marche gauche, une marche droite, et c'est fini. Donc, si vous êtes plus à l'aise, donc, on sortira du cross shuffle, où je vous fais voir, vous faites 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. Ou alors, vous faites 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, marche, marche. C'est pareil. Niveau des temps, c'est la même. Voilà, la danse, elle est finie. On fera deux murs entiers. Au troisième mur, on s'arrêtera. On sera à 3 heures, on s'arrêtera quand on fera les grands pas diagonale avant, diagonale arrière. Et là, on fait le restart. Et on finira pile poil à midi en faisant marche, marche et stomp. Voilà. C'est fait. On fait les grands pas pour faire le tel. Ouais, enfin, jusqu'au grand pas, ouais. Oui, on fait les grands pas. Ouais. Donc, on va faire deux murs et on va s'arrêter au tag. D'accord ? On y retourne. On fait deux murs complets. 3, 4, 1 et 2. 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Pivot. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Grand pas. 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, pivot. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. On fait le deuxième mur. Kick. 1 et 2, 3 et 4. Bum, 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 behind side cross. Side rock, derrière car avant. Rock revient, lock arrière. Pivot demi-tour. Kick ball cross, car hook, chassé devant, grand pas. Hop, talon et talon, grand pas arrière, stomp, stomp, trois quarts de tour. Kick ball cross,
Side rock, cross shuffle. Sidecar, shuffle devant, triple full, marche, marche. Troisième, on va s'arrêter sur le mur de 3 heures après les grands pas. Il y aura le restart, on y va. Kickball pointe, seller car, bump, 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 behind side cross. Côté revient, derrière car avant, rock revient, lock arrière. Demi-tour, kickball cross, car, hook, chassé. Grand pas, talon et talon, grand pas, touch, tombe, tombe. Et là, on recommence. On essaye en musique pour voir. C'est tout frais, c'est de ce matin. Hein. Donc, j'espère que je vais être concentrée. Surtout dans les demi, les trois quarts. 16 temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, demi-tour. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, grand pas. You got your heart on lockdown. Push your foot. Oh, I got a knockdown. Yeah.
J'espère qu'on la reverra parce que je l'aime bien. Ça ne sera pas seulement une seule fois. Donc c'est la numéro 3. Donc la 1, la 2, c'est facile. La 4 maintenant. Why don't you? Je vous refais les pains un petit peu. Sinon, je la ferai demain. On leur fera les pas, sinon vous la vous voyez sur. Vous me regardez une deuxième fois. Non, on va passer. Ouais. Oui, on va revenir une deuxième fois. Je vais vous refaire les pas. Non, mais il regarde une deuxième fois, c'est sûr. Ouais. Ce qu'on va faire. Why. Alors l'autre, elle est facile. Hein. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle est un peu plus vieille. C'est encore de Céline Fillon. Why don't you? C'est vraiment facile, facile. Hein. Bon, pour les débutants, c'est bon, un peu plus difficile, mais allez, facile. Go. Ça, j'essaie de mettre la musique. Voilà, mettez la musique. Elle est belle, la musique. Je l'ai faite aussi pour un... J'ai dû la faire parce que c'est... Elle était dans mes PDF. Elle n'est pas vieille, hein, janvier 2019. Voilà. C'est ça. Donc, pas de tac, pas de restart, ça l'a dit, non. Donc, on va faire appui pied gauche, ce coup-là, comme souvent. Hein. Talon, droit, devant, hook. Un hook, on croise le pied devant. Talon, hook. Donc, talon devant, on croise hook, on remet le talon, et là, on hitch. Hitch, c'est un. Donc, deux pieds. Un hook, on met comme ça, on plie la jambe devant l'autre jambe. Un hitch, on lève le genou. Face. Donc, ça fait talon, hook, talon, hitch. Et on fait un coaster step. Coaster step pour les débutants. Arrière, rassemble, avant. C'est sur trois pas. Donc on y va, pied gauche. Talon droit, hook droit, talon droit, hitch droit. On fait tout sur le droit et après on fera tout sur le gauche. Et un coaster step, hold, temps mort. Ça fera que 7 temps. Ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est sur le pied droit, on fait la même chose sur le pied gauche. Talon donc gauche devant. Hook. Donc on plie la jambe, on vient comme ça vers l'autre jambe pour différencier du hitch qui est devant. Hein. Talon gauche, hook gauche, talon gauche, hitch gauche, coaster step. Même chose, hold. Donc ce qui nous fait, on refait le début, à droite et à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous voyez plus de profil, ça fera ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En plus, on va aller à droite. On va pied droit à droite, rassemble. Pied droit à droite, rassemble. On pivote les deux talons comme un twist sur la gauche, juste à gauche. On revient au centre et on ouvre les talons. C'est un heel split et on les referme. Donc ça fera à gauche. Reviens, ouvert, reviens. À gauche, tu reviens. Enfin, tu mets pour les bras, sinon ça fait canard. Mais bon, ça peut t'aider au départ. C'est vrai que c'est un peu instinctif. Top. On va à droite pour cette section-là. Côté, rassemble. Côté, rassemble. Talon à gauche, ramène. Talon ouvert, ramène. Ouais, maintenant, je fais ça. Donc, il ne restera plus qu'une section. Celle-là, trop facile. Donc, on y va. Puis pied gauche, à droite. Talon, hook, talon, hitch, coaster, step, temps mort. Talon, hook, talon, hitch, coaster, step, temps mort. Côté, rassemble, talon à gauche, ramène, talon ouvert, ramène. Là, on va mettre le poids quand même sur le pied gauche, parce qu'on va faire, on avance, pied droit, on clappe. On fait un pivot à gauche, on reclappe, et on fait talon droit, ramène, talon gauche, ramène, la danse est finie. Donc sur le 2 et 4, ça fait, c'est un clap. Ce qu'il vient de faire, avance, clap, quart de tour, clap, talon revient. Donc j'ai vu qu'elle faisait ça dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est tout. Donc je vous refais un mur entier, vous mettez la musique. 3, 4, les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fini. Musique. Bingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
On fait un vaïn à droite avec un scuff. Il n'y a plus de clap. Vaïn quart de tour avec un scuff. Et là, facile, on fait toujours sur la gauche. Pour faire. Donc, je n'ai pas fait le compte comme ça. 3, 4. On y va au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vaïn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour finir, on fait deux fois la même chose. On tourne à chaque fois sur la gauche. Donc, toe, strut. Toe, strut. Toe, strut. Toe, strut. Facile. Plante talon. Demi-tour. Plante talon. Plante talon. Demi-tour. Plante talon. Ce qui fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est fini. Ça va. Ça devrait aller. Donc on y va. 3, 4. En avant, stomp up. En arrière, stomp up. Back, lock, back, stomp. Step, lock, step, scuff. Avant, stomp up. Arrière, stomp up. Vine à droite, scuff. Vine, quart de tour, scuff. Toe, strut, toe, strut. Toe, strut, toe, strut. Je fais les comptes, on met la musique. On y va. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vous dirai pour au bout de deux sections, on va l'entendre au cinquième mur. On sera à midi, on fera tout un tour. On fait seulement deux sections, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter. On sera à midi, là, enfin, tour complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprendra, on aura le restart là. Et l'autre, on sera à 3 heures au 12e mur. On va faire 12 murs, hein, je vous le dirai à un moment. On sera à 3 heures, on aura fait 3 fois le tour. Hein, et on fera juste après, si je me rappelle bien, donc on sera là parce qu'on fera juste après les vines et vines quart, normalement. Après le vine quart, après la troisième section. Il faudra faire trois sections avant de faire le restart. La première, on n'en fait que deux. On va essayer en musique, parce que comme j'ai découvert ce matin, mais comme c'est pour demain, j'avance un peu. Voilà. Donc ça devrait aller. Je m'en rappelle.
pop, back, lock, back, ton pop. Step, lock, step, scuff. Avance ton pop. Arrière, ton pop. Vine, à droite, scuff. Vine, quart de tour, scuff. Et là, toes, trot. Tu fais un pivot, toes, trot du pied droit. Tu pivotes dessus, demi-tour sur la gauche. Toes, trot du pied gauche. Tu avances pour faire ton toes, trot pied droit. Toes, trot pied gauche. Je vous la refais parce que c'est peut-être un peu trop. Il faut bien appuyer sur le... Donc, toes, trot pied droit, demi-tour. Toes, trot pied gauche, demi-tour. Toes, trot pied droit, demi-tour. Toes, trot pied gauche, demi-tour. Voilà. Donc ça, c'est la troisième que je voulais vous montrer. Après, je voulais vous montrer, mais il y en a peut-être qui ont suivi Fred Facio cette semaine ou les autres semaines. Donc c'est à lui ça. Sambo Deceives the Honky Tong. C'est sa danse à lui et elle est demain dans la playlist. Alors, c'est pareil, j'ai regardé vite fait ce matin. Donc elle est faisable. Hein. Donc je vais vous la faire. Il y a un petit restart. Ça fait peut-être beaucoup, peut-être comme ça, vous avez un petit peu une idée si vous voulez danser demain. C'est la sienne, alors je pense que vous l'avez faite si vous avez suivi son truc mercredi ou je sais plus quand. Quand est-ce qu'il est. Moi j'ai pas vu. Donc, on va faire un shuffle sur la droite, un seller quart à droite, un shuffle en avant. Donc, on appuie pied gauche. On va faire un chassé côté. Pas chassé. Là, on va faire un seller step face. Seller step. Donc, le seller step, hein, on croise le pied. Là, c'est un seller step sur la gauche. Donc, on croise pied gauche derrière, côté, côté. Et là, on va en faire un, mais sur la, en quart de tour. Donc, sur l'autre pied, on croise tout de suite. En quart de tour, le pied droit derrière le pied gauche. Et côté, côté. Et on fait un pas chassé. Ça, c'est la première section. Donc, on y va. Un chassé côté, un seller step, un deuxième seller step et un pas chassé devant. Ça, ça fait vite. Donc, on y retourne. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Ensuite, on va faire un grand pas sur le côté. On glisse. On glisse, donc 1, c'est 1. L'autre, on glisse, on touche, on ne met pas le poids de corps dessus parce qu'on fait un B-inside cross avec celui-là. 1, 2, et B-inside cross. B-inside cross. Donc le 2, on le glisse. Le 2, on ne pose pas le poids. Ça fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, cross shuffle. Donc je vous le fais là. Ça fait un grand pas, 2, 3 et 4, 5, 6, cross and cross. Ça fera notre deuxième section. Je vous les mets bout à bout. Donc on y va, chasser, pas chasser, c'est leur step, c'est leur quart, chasser devant. Grand pas, tu glisses, behind, side cross, side rock, cross shuffle. Là, tu vas faire un demi-tour sur la droite. Demi-tour. Donc, demi-tour sur la droite. Ton pied gauche, tu fais un quart-quart, ça sera plus facile. Hein? Demi-tour. Celui met demi-tour, mais bien souvent, on fait un demi-tour en deux temps comme ça. Tu refais un cross shuffle. Et là, au début, j'ai eu ce matin, cross shuffle, tu fais tout de suite un tout petit quart de tour, un shuffle quart de côté droit, et tu refais un shuffle quart pour retourner sur le même mur. Shuffle quart. Alors, quand on sort du cross shuffle, hop, un petit quart à droite, un autre petit quart pour faire ton cross shuffle à gauche. J'y vais pas. Voilà. On fait tout. Top. On y va. 3, 4. Pas chassé. C'est leur step, c'est leur quart, chassé en avant. Grand pas, glisse, behind, side cross, side rock, cross shuffle. Demi-tour, cross shuffle, quart de tour, shuffle, quart de tour, shuffle. Donc c'est peut-être le... Quand je me le mets comme ça, je sais pas, le demi-tour, je sais pas si vous le faites. Vous faites bien le demi-tour. Voilà, quand on fait cross shuffle, là je fais mon demi-tour. Quart-quart, comme ça, je fais mon demi-tour. En deux temps. C'est pas difficile ça, je crois. Bon. Alors, j'y retourne. On va faire la dernière section. C'est une 32 comptes. Donc, il n'y a pas. Pour l'instant, c'est sympa. On y va. Pas chassé,
c'est leur step, c'est leur quart, chassé en avant. Grand pas, slide, behind, side, cross, side, rock, cross and cross. Demi-tour, cross and cross, quart de tour, un petit pas chassé, quart de tour, un petit pas chassé. Pour finir la danse, donc on est sur pied gauche, on va marcher pied droit, marcher pied gauche. On marche et on fait un side rock. Donc si tu marches pied droit, pied gauche, ton side rock il est forcément sous ton pied droit. Side rock et tu reviens devant. Côté, reviens. Balance avant, reviens. Et pareil à droite, tu remarches, marche, marche et un autre side rock. Je vous l'ai fait là peut-être les side rock. Donc on va marcher du pied droit, marcher du pied gauche. On fait side rock, reviens. Et marche, marche, side rock, reviens. Je vais en faire plusieurs comme ça. On fait la lignée. Marche, marche, side rock, pause. Marche, marche, side rock, reviens. 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 On n'en fait que deux, hein. Mais pour... Voilà, la danse, elle est finie. Sauf que quand on sera ici, on va faire. Il est là, je crois. On fait 1 et 2, 3 et 4. On fait le but, 5 et 6, 7 et 8. Là, on fait faire un grand pas comme tout à l'heure. Behind, side, cross. Et à ce moment-là, il faudra faire un rocking chair, un tag. Et après, refaire la danse. Après le behind, side, cross. Donc, on est là, on va faire nos sections. C'est au cinquième mur, on fait 14 comptes. Donc on y va, première section. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Grand pas, behind side cross. Et là, on s'arrête, on ne s'arrête pas, on continue avec un rocking chair, un tag et restart. Donc on l'essaye. Ça sera pour demain. Let's go.
on y va. Pour celle-là. 3, 4. Pas chasser. C'est leur step. C'est leur quart. Chasser avant. Grand pas. Behind side cross. Side rock. Cross shuffle. Demi-tour. Cross shuffle. Quart de tour. Chasser. Quart de tour. Chasser. Marche, marche. Side rock revient. Marche, marche. Side rock revient. Et avec le tag. 3, 4. Pas chasser. C'est leur step. C'est leur quart, chasser devant. Côté, revient, behind, side, cross, rocking chair. Et on commence, pas chasser, c'est leur step, c'est leur quart, chasser devant. Côté, grand pas, behind, side, cross, side, rock, cross and cross, demi-tour, cross and cross, chasser à gauche, chasser à droite, chasser à gauche, marche, marche, side, rock, marche, marche, hop. Bon, après tout ça. Et je voulais vous faire, c'est pareil, j'en ai refait une aussi ce matin, cinquième, c'est Black Sheep. Alors au début j'avais pris la débutante et après j'ai vu qu'il y en avait une autre, il y en a même plusieurs hein, je crois. Et apparemment il y en a une novice de Nathalie Leprêtre. Donc j'ai zappé la débutante et j'ai pris celle de Nathalie. Un peu plus complexe, mais j'aime bien. Donc je vais voir, ça finit par une valse à la fin, bon c'est pas un peu, là que je finis ça un peu plus, mais je vous fais déjà la partie 1, je vais faire déjà écouter. Ça s'appelle Black Sheep. Black Sheep. C'est Dean Brody. Vous connaissez Dean Brody. Dean Brody. Black, black comme un black. Sheep, S-H-E-E-P. Ça veut dire mouton ? Bon, enfin bref. Donc la partie A, mais il n'y a que deux A. Après, il y a un petit. Là, il y a deux tags. Les deux tags, c'est step demi, on va se faire les entends à la fin des murs. Et après, on finit par une petite valse de 48 temps. Je vais finir un petit peu, mais. Donc voilà. Sinon, il y a la version Black Sheep. Donc on va faire celle-là. On va essayer de faire celle-là, parce que je l'ai faite ce matin aussi. Donc, j'avais vu dans les playlists, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Donc là, bah, je la fais. Donc, on y va. Partie 1, 32 comptes. Ils sont faciles, les bas. On fait un rock avant, donc appui pied gauche, on fait un rock avant. Rock, revient. Un coaster step. Alors ça, ça va revenir trois fois dans la danse. Rock, coaster step. C'est vrai que ça revient. Donc, on fait un rock avant, on revient, coaster step. On fait un rock avant du pied gauche, on fait un quart de tour et un shuffle sur la droite, en quart de tour. Donc, on y va, rock, rock, revient, coaster step, rock, revient, chasse et quart de tour. Là, on va faire des vaudevilles, suivi d'un rock, coaster step. Donc, vaudeville du pied droit, donc vaudeville, vaudeville, je vous le fais là. Donc on croise pied droit, on met le pied un peu en arrière, talon, ramène. Croise côté, à côté un petit peu en arrière, parce qu'on est un petit peu, on se remet un peu en arrière. Croise devant, côté, talon, ramène. Pareil à gauche, croise, côté, talon, ramène. Et un peu en arrière. Croise, côté, talon, ramène. Croise, côté, talon, ramène. Sauf que c'est syncopé, ce qui fait... 1 étalon et 3 étalon et quoi, comme je vous disais tout à l'heure, rock revient coaster step. Ça reviendra plusieurs fois ça. Rock coaster step. Donc, on y va. Déjà les deux sections sont faites. 3, 4. Rock revient coaster step. Rock revient quart de tour chassé. Vaudeville. Vaudeville et vaudeville et rock revient coaster step. En erreur. Ensuite, on va mettre son pied à gauche. Et à gauche, on va faire un quart de tour pour se retrouver à midi. Et on va faire un pas chassé. Cross et cross. Ouais. Un, deux. Croise pied droit deux fois. Je ne sais pas pourquoi elle dit croise pied droit deux fois, mais bon, c'est un pas chassé. Side rock. Cross et cross.
pied droit devant pied gauche deux fois. 1, 2, 3 et 4. Ouais, c'est rigolo ça en vrai. Je crosse et une crosse. Bon, j'avais pas trop vu, j'ai pas le temps de voir. Donc side rock, cross and cross. Et après, on va faire pointe à droite, ramène, pointe à gauche, ramène, talon droit, ramène, talon gauche, ramène. Ce qui nous fera côté, quart de tour, pas chassé, pointe à droite et pointe à gauche, et talon à droite et talon à gauche, et. Ça, ça va? On y va? Les trois sections, on y va. Rock, reviens, coaster step. Rock, reviens, chassez, vaudeville. Vaudeville et vaudeville. Et rock, reviens, coaster step. Côté, quart de tour, chassez devant. Pointe, et talon, et. Et quoi, devinez quoi? Rock avant, coaster step. Rock avant, chassez demi-tour. Sur la gauche. Voilà la danse. Trois fois en quatre. Donc, on y retourne. 3, 4. Rock, reviens. Coaster step. Rock, reviens. Quart de tour chassé. Vaudeville et vaudeville. Et rock, reviens. Coaster step. Côté, quart de tour chassé. Pointe et talon et talon. Et rock, reviens. Coaster step. Rock, reviens. Chassé demi-tour. On fait la même chose. Rock avant, rock, reviens, coaster step, rock, reviens, quart de tour, chassé, vaudeville et vaudeville, rock, reviens, coaster step, quart de tour, pas chassé, pointe, et talon, et rock, reviens, coaster step, rock, reviens, chassé demi-tour. Là, il y a le tag step pivot, il y en a un ici. Et l'autre, il sera au cinquième mur, à la fin du cinquième mur. Je ne sais plus, je l'ai fait ce matin vite fait, je ne sais plus où, mais je vous le dirai. Voilà. Donc, on attaque le troisième. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 4, 5, allez, après. Donc, on fait ça en musique. Black Sheep. Tu fais quoi à la fin? On va déjà faire le. On va déjà faire jusqu'à. On va faire que le A déjà. Parce qu'après, ça va tout mélanger. Il faut que je fasse le A avant. On va essayer le A. Parce que le B, il n'y a qu'une fois, c'est la fin. I've reached this mountain, underneath the steep. Reached with a good book in my hand. Yeah.
deux. Donc, une fois qu'on a fait deux fois les steps pivot à cinq murs, on fait deux murs entiers. Et le huitième mur, on fera rock, revient, coaster step. On sera 6 heures. Rock, revient, coaster step. Rock, revient, chasser. On fera vaudeville et vaudeville comme d'hab. Rock, revient, coaster step. Là, on fera rock et on fera un quart de tour. On attend un peu, la musique ralentit. Et là, on fait un départ de valse. On ne fait plus jusqu'à 8, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai essayé de les faire ce matin. Il manque un bout de la machine. Donc, normalement, on fait 48 pas. 6 fois 8. 6 fois 8, ouais, c'est ça. On fait 8 sections, oui, c'est ça. Bon, on y va. Donc, on fait, quand on est là, on va faire les pas de valse, si je me rappelle, le pas basique, donc marche, donc avance, droite, gauche, droite, ça c'est le pas basique, avance pied gauche, rassemble, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, en demi-tour sur la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ensuite on fera pointé, croisé, 1, 2, 3, 4, je ne me rappelle plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la fin. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas fini, oui. Donc, je vous refais le A. On s'arrêtera là. Donc, on s'arrête à 6 heures. Donc, on fait juste un bout du A. Le bout du A. 1. Rock, revient. Le bout du A. Rock, revient. Coaster, step. Rock, revient. Chasser. Le vaudeville. Vaudeville et vaudeville et rock revient. On ne fait pas le coaster step, on attend un petit temps pour commencer la valse. Donc la valse, elle commence à 6 heures. Donc je vais essayer de faire les pas bien, le pas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, on va faire le tout. C'est vrai que ça n'est pas très... Il est un peu compliqué vers la fin, mais c'est juste, ils appellent ça le B, et c'est vrai que c'est 48 ans de valse, c'est tout. Et après, c'est fini, on finit à midi tranquillou. Donc, on l'a refait, j'essaye de vous faire les pas de valse avec. Ça se rappelle Black Sheep. Et si elle passe bien, je vous la redécortiquerai, c'est pour faire le bal demain pour pouvoir la danser. Si vous avez un petit peu de temps avant le bal, qui commence à 16 heures. On remet la musique. Il est reparti au fourneau. On a un petit invité ce soir, mais lui qui fait la cuisine. Cassie, and drink beer, and tavern's Friday night.
bon.